Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Forge Magie. Et alors, juste que j'allais me lancer pour vous faire une petite intro sympa, un abonné m'a demandé de lui passer un PA sur Instalac et de lui briser. Donc la vidéo commence avant même que j'ai pu faire l'intro, c'est pas mal. On a un petit peu galéré, enfin, bon, c'est pas tant que ça. On a mis quoi? On a mis 105 runes à passer l'exo, voilà, c'est correct. Mais comme il y allait par série de 50, là on est sur la troisième série de 50, il était un petit peu déprimé, mais c'est passé. Alors, je vois qu'on vient de me MP quelque chose avant qu'on commence. Estimation d'un exo. Ouais, collier de la Dame du Hasard, on est sur du pourcent PO sur un jet qui est globalement à peu près correct, hein, sans être perf. Il n'y a pas de gros manque, il manque un de fuite, un de retrait PM. Les stats de la sagesse sont, voilà, sont pas trop mal pour la plupart des joueurs. J'ai du mal à être objectif sur les estimations, hein, parce que moi j'ai des critères très précis en ce qui concerne les items. Mais il faut pas non plus... que je sois dans une rigueur extrême à dire que tout ce qui n'est pas perf ne vaut rien. Donc ça, je vais lui dire entre 10 et 25 millions, voilà, je prends une fourchette assez large. Ça dépend vachement en fait de la demande, si quelqu'un veut cet item. Bon, en soi, la réalisation n'est pas très dure, mais c'est quand même un truc relativement clean hein, pour quelqu'un qui en a besoin pour un de ses stuff, avec un petit PO. On va dire ça, je dirais entre 10 et 25 M selon la demande. Hop. Voilà, bon, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est parti. Alors, cette personne, en l'occurrence, m'a dit que... Hop, ok, ça passe. M'a dit qu'elle voulait plutôt se faire des kamas que de chercher à avoir un jet en particulier. Donc, voilà, je garde ça à l'esprit, hein, et on verra comment ça se passe. Mais le but ne va pas être là de tryharder pour avoir du perf-perf. Hein, si, par exemple, on a 34 écrits, je pense que ça restera comme ça. Enfin, c'est lui qui choisira en temps voulu. Alors là, on a 12 plus 4... Moins 15. Ok. Alors il n'y a pas de rappui. Bon, s'il y a besoin, je lui donnerai les miennes. La fuite, on va la laisser à 17 pour l'instant. Ok, on a un crit là-dessus. On va remonter à 21 tout de même. Ok. Je vais tenter les dommages distance en espérant que ça fasse tomber le PA assez vite. Bon, pour l'instant, ça tombe pas, mais ça se passe plutôt bien. Là, j'avais 1. Donc si j'ai un moins reliquat, c'est que je suis à 0 a priori. Hop. Alors là, on a plus 2. Ok, on a du crit. Alors je vais remonter la fuite à 17. Je vais pas la mettre au-dessus de 17 hein, pour qu'on puisse aller chercher les 20 assez facilement. Moins 2. Rien du tout. On est à 0 là. Ok. Bon, je lui souhaite vraiment que ça se passe bien parce que d'après ce que j'ai compris, il fait pas souvent de brisage. Ouais. 20 si on y arrive, plus 9, 6, il me restait 3, je tente 6, j'ai moins 4, moins 2, pardon, hop, il reste 1. Je vais essayer de passer la puissance au-dessus de 20, et juste après, je tenterai l'appât d'Audi, sauf non, si ça se passe comme ça, on va faire plus 2 ici et tenter l'appât fuit qui est une grosse rune hein, en espérant que ça fasse tomber le PA. Toujours pas de PA qui tombe. Mais pour l'instant son jet ne se détériore pas trop, à part un petit peu les récris qui ont pris un coup. Globalement ça va à peu près. Alors là on a moins 2. Il reste 1 depuis. Je vends des petites conneries. Hop. Ok, crit. Plus 2. Bon, la fuite, il faut pas que je monte au-dessus de 17. Hein. Je vais voir ce que je peux faire comme ça. Et on a moins 2 ici. Là, ça ne change rien. Voilà, okay. Si celle-ci elle passe, je tente la pado, mais elle n'a pas crit. Moins 2. Enfin, plus 2, pardon. Ok. Moins 2 ici. D'accord. Allez, la petite doperdie là. Il faudrait que le PA tombe. Ah, dommage. Dommage. Là, j'ai plus 1. Je vais essayer de remettre de la pafuie en espérant que ça marche. Allez, ce serait bien que ça tombe ici. Oh là là. Bon. Plus 2. 8. Moins 12. Et 0. Là, il faut que je m'occupe un petit peu des récris, hein. Je vais essayer de les maintenir autour de 20 si j'y arrive. 2.
il sort de là pas. J'essaie de viser hein, pour tomber sur les 35 si le PA tombe à ce moment-là. Toujours, il faut essayer d'anticiper les choses. Je préfère la passer en plus 1 quand on est autour de 16 que quand on est autour de 30, hein, ça c'est classique. Là, le puits ne bouge pas. Bon, ça a un petit peu du mal pour l'instant, les dommages distance restent élevés. C'est ceux-là qui vont bouffer le plus de puits, bien sûr. Hein. Là, j'ai plus 2. Allez, on va retenter la pafui. Toujours pas. Je dois avoir un moins 2, là. Ouais. Oui, c'est ça. Hop. Ok, on perd un... perd un dommage distance. Alors là, j'ai tenté une rune qui pèse 6. Plus 2. Plus 15. On a 11 de puits. Allez, on va tenter ça. Bah, moins 11. Ok, on retombe à 0. Plus 2. Plus 9. Je vais essayer de remonter ça à 20. Pas mal. Moins 6. 5 de puits. La puissance, ce serait bien que ça monte à 20. Et là, j'ai plus 9. 6. 8 de puits restants. On va y aller sur la fuite pour peut-être essayer de retomber à 0. Voilà. 8. 0 de puits. Allez, là si ça pouvait tomber, on pourrait aller chercher le GPerf. Avec peut-être un petit peu de mal pour remonter, mais en tout cas, on n'est pas trop mal. Hein. Ici, j'ai plus 1. Là, j'ai rien. Allez, elle a pas fui. Oh là 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 là. C'est plus 3 ici. Hop. On va retenter à nouveau la pas fui. Et on a à nouveau plus 3. Ça nous fait 7. Plus... alors là, on a 8. On a plus 2. Là, moins 15. 2 depuis. Vraiment pas que je me plante hein, dans le comptage. C'est toujours un peu compliqué quand ça dure longtemps, qu'on commence à s'énerver un petit peu. Mais surtout en plus quand l'item n'est pas à moi, c'est vraiment embêtant si je me trompe dans le comptage de puits. On va mettre la puissance au-dessus de 21, ok. Allez, dommage là. Oh, un crit, ça fait plaisir. Si le PA pouvait tomber, ça ferait également plaisir, bien sûr. Plus 2 ici, la fuite, on va remonter à 14, ensuite on ira chercher les 17. 2. Là ici, moins 4, plus 15, 11 de puits. Alors je commence à ne plus trop y croire là. Malheureusement pour lui, plus 4, moins 15. Je retombe à 0. Et un crit ici. La fuite est beaucoup trop basse. On va essayer d'arranger ça si on peut. 11. 4. Ah, décidément, c'est pas évident. Hein. On a ici plus 6, moins 12. On retombe à 1 depuis. Bon, ça fait un petit... Là, ça vous permet, hein, pour ceux qui voudraient voir comment on compte le puits, de vous exercer un petit peu si vous faites avec moi. Là, ici, plus 2, plus 8 même. Et moins... Non, j'ai pas plus 8. J'ai plus 14. Moins 15, et je retombe à 0. Et là, malheureusement, ça commence à être un petit peu flingué. Je pense que je vais arrêter de compter le puits. J'ai de la peine pour lui. Ok, bon. Il suffit de dire ça pour que le PA tombe. C'est dommage, hein, pendant longtemps, on était vraiment sur un jet qui aurait pu donner quelque chose de très sympa en cas de brisage, et là, ça tombe juste après que ça se soit un petit peu cassé la gueule. C'est triste, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Alors, on a plus 2, et on a plus 100, moins 6, 96 de puits. Alors, est-ce qu'il veut viser le perf? Là, on peut aller chercher le perf. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Enfin, quand je dis viser le perf, ça veut dire m'arranger pour tomber sur les valeurs maximales à chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'on aura le puits pour y arriver. Hein. Je crois qu'il m'avait dit qu'il voulait du perf de toute façon. Là, l'avantage, c'est que la puissance, on peut la passer à 17 sans trop de problème. Donc on peut faire 17, ensuite avec une papuie passer à 20, et avec une rapuie passer à 30. Mais en termes de puits, ça peut être assez gourmand. Hein. Essaye de viser un item vendable cher. C'est perf, quoi.
Oui, ça me paraît pas être déraisonnable, hein. Là je peux aller chercher les 17, en plus on a un crit, ok c'est nickel. La puissance, donc je vais la mettre à 6 à 20, moins 6. La fuite, on va aller chercher les 17 dans un premier temps. Moins 12. C'est dommage, on va essayer de remonter. Moins 15 ici, ah là là, je sens que ça va être compliqué. Hein. J'essaie d'équilibrer un petit peu le G. On va aller chercher ici les 26. Ok, double crit, ça fait plaisir. Moins 12. 51 depuis. Bon, là, il va vraiment nous falloir du crit. Hein. Je pense que de toute façon, on ne pourra pas aller chercher quelque chose de correct. Ça va être trop difficile. Ah, alors encore une fois, là, je ne peux pas mettre les runes parce que c'est les miennes. Ah, c'est embêtant ça. Est-ce que si je les mets depuis ici, ça marche? Runes. Rappuie, elles sont là. Oh là là, c'est bizarre que ça bug comme ça. Et que je puisse pas mettre mes runes quand il a les siennes, d'accord, mais il a pas de rappui, donc normalement je devrais pouvoir utiliser les miennes. Hein. Ça ne marche pas. Bon. Je vais essayer comme ça. Voilà, j'avais vu qu'en enlevant le bouclier, ça les passe. Bon, on me demandait pas pourquoi ça marche comme ça. Bienvenue sur Dofus. Allez, il faut vraiment que ça passe. Si on pouvait avoir un crit ici, on pourrait avoir une chance. Recette ne donne rien. Merci Dofus. Ah là 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 là, faudrait peut-être qu'ils réparent leur jeu un jour avant de nous sortir des mises à jour. Personne n'a rien à faire. Bon, moins 20, au moins c'est passé, c'est une bonne chose. Mais malheureusement pour la suite, ça risque d'être un petit peu chaud. On va y aller sur les dommages distance. Ok, on a un premier crit, si on pouvait en avoir un deuxième. Bon, c'est pas du crit, mais ça donne un peu d'espoir. 15, il nous reste 16 depuis. Et là, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de monter un petit peu sur les récris. 6, moins 12. Il me reste 4. Je vais peut-être lui mettre une petite fuite pour utiliser les codes dernières. Un 18 de fuite, mais bon, on pourra pas avoir tellement mieux. Si c'est pour vendre, ça lui fera un G à peu près équilibré qui pourra essayer de vendre. Ça ne passe pas. Eh bien, je suis désolé pour toi, jeune abonné. Hein, je pense que tu verras la vidéo. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Bon, j'espère qu'il va s'en remettre. Est-ce qu'on continue à péter des PA peut-être? Je vais vous dire ça dans un instant. Bon, bah, on a fini ses orbes et ses runes, et il n'y a rien d'autre qui est passé. Je suis désolé pour lui, j'espère vraiment qu'il arrivera à s'en remettre assez facilement. Bon, c'est pas non plus la mort, hein, c'est quelques petites runes, mais c'est vrai que pour des joueurs qui n'ont pas énormément de moyens, qui mettent tout là-dedans, eh bien ça peut être un petit peu démoralisant. Courage, hein, courage à toi si tu regardes ça. Bon, du coup, je peux enfin vous faire ma petite intro que je voulais vous faire. Alors, depuis ma dernière vidéo de FM, hein, où je me suis défoncé des Kama par centaines de millions, hein, je pense que vous avez vu, j'ai réussi à me refaire un petit peu, j'ai vendu quelques bricoles, j'ai fait un peu de PL, et je suis remonté, voilà, là j'ai 105 millions, j'ai pas l'habitude d'avoir plus de 100 millions en cash, hein, ça me fait un petit peu bizarre, là, mais bon, je sais que ça va pas durer longtemps, hein, clairement, tout ça, ça va passer dans la FM, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais je peux vous le dire que tout va aller dans la FM. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais voir un petit peu en fonction de mes envies, puis dès que j'ai fait mon choix, on se retrouve pour le premier item. Bon, eh bien, on a un abonné qui m'a demandé de lui passer 30 exos, enfin 30 tentatives, sur des anneaux avec des jets qui sont plutôt corrects dans l'ensemble. J'ai un petit peu regardé. Donc, c'est parti, hein, j'espère vraiment que je vais lui passer quelque chose. Alors, on commence par quelques alliances Glourson. Allez. Et. Je vérifie que les anneaux se remettent bien après. Ah oui, c'est bon. Le dernier de la liste, c'est l'Eurific. D'accord, je le garde en tête, histoire d'être sûr de ne pas me planter. Pas de PA ici. Là non plus. Les G sont corrects hein, dans l'ensemble. Là, c'est pas trop mal. Hein. On a du 12 d'eau. Enfin, en tout cas, je pense qu'il fait ça pour faire de l'argent. Ça se revend plutôt bien. Hein. Les pas de greffe. Je sais pas si c'est encore beaucoup joué, pas de greffe. Bon. Alors, si on passe un PA sur un fond marin, moi, ça pourra m'intéresser parce que il m'en faut un. Ça m'arrangerait bien. Alors, pas de PA ici. Pas de PA ici. Là non plus. Ah, dommage. Il y avait un 12 d'eau, je crois, qui est passé. Toujours pas. Bon, là, du petit pilostère. Des pilostères, il y en a tellement qui ont été faits et qui sont mis dans le commerce. Au plus grand chose, alors qu'à l'époque, quand c'était sorti, ça valait une fortune. La chance n'a pas l'air d'être avec lui aujourd'hui.
plus. Je crois qu'il y avait un 1% res qui traînait, sur lequel on va mettre un PM. Oui, c'est ça, ça devait être le Valet Vénard. Pas de PA ici. Là non plus. Alors là, on va y aller avec un PM. Ouh, si on a un PM sur ce G, pas sympathique, hein. Bon, pareil, les Valets Vénards, hein, on en a vu beaucoup avec ce genre de G, mais ça fait toujours plaisir. Pas de PM, malheureusement. Allez, il reste 3 anneaux à faire. Pas de PA ici. Là non plus. Et on termine par un Rific. Dommage. Bon, alors j'ai crafté pas mal d'items. Je me suis dit qu'on allait faire des choses un petit peu variées dans cette vidéo. C'est pourquoi il me reste déjà plus que 55 millions. Voilà, j'ai pas mal dépensé. Mais ça nous fait un petit stock d'items qu'on va pouvoir FM tranquillement. Là, le but, ça va être de chercher des Exorez O et R majoritairement. Et on commence avec une amulette du Chocotte. Que juste en voulant signer, hein, mettant une petite rune avec une signature juste pour signer, j'ai déjà eu un petit plus PO qui est potentiellement intéressant, donc on va voir si on peut en faire quelque chose. Alors, hop, petite sagesse là. Alors j'avais combien? J'avais 6 plus 51 moins 10. Et là on a moins 18. Ok. Alors est-ce que la vitalité va bien se passer? C'est un petit peu ça la question ici. Moins 6. Bon, idéalement, je préférais viser le puits PA, hein, sur ce genre d'item. Mais si on peut avoir quelque chose comme ça, pourquoi pas. Alors là, j'ai moins 10. Il reste combien de puits? 13. Ouais, bon, on va pouvoir mettre deux tantarèses. Hop, et il me faut des rez haut là-dessus. Des rez haut. Alors, c'est parti. On peut en mettre deux. On en a donc une et on va tenter un exo invoque avec. Tenta exo invoque. À moins que. Non, invoque sur 1%, c'est dommage en vrai. Ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai 15%, je vais tenter des res. Des res distance. C'est où? Res distance, c'est ça. Les res distance, je trouve qu'en général, c'est plus utile que les res mêlées parce qu'on prend quand même plus de dégâts à distance que de dégâts en mêlée sur un colis. Bon, ça peut être un peu discutable. Mais là, je vais tester ça comme ça. Si je peux avoir un succès crit là-dessus, ça peut faire un très bel item, hein. Dommage. Bon, alors là, je viens de faire absolument n'importe quoi avec mon item. Enfin, j'ai balancé des runes, j'ai eu des puits PO, PA qui sont succédés. Bref, je me retrouve dans cette situation. Je vais avoir à peu près 80 depuis. Et si j'arrive à avoir un petit 20 d'eau qui sort là, assez vite, sans défoncer le puits, est-ce que c'est le cas? Bon, enfin, moins 25. Je peux tomber en fait sur du GPR, c'est juste pour ça que cette tenta elle me plaît un petit peu, mais il va me falloir un poil de chance quand même. Là je vais arriver à 400 piles. Allez, ok, les petits crits, très bien. Oh, pas trop mal, hein. Moins 20 ici, ça me laisse 26 depuis. Bah ouais, bah ça me laissera donc 4 tentas à res. C'est bien des res haut? Non, non, ça c'est des ré haut fixe, hein. J'ai l'œil moi, hein. On m'a pas comme ça. Hop, ok, ça c'est des repères haut et on va en tenter 4. Allez, 1, 2, 3 et 4. Allez. Hop, bon, 2%. 2% et je tenterai peut-être une invoque si ça passe là-dessus. Hop, oh, ou alors. C'est quand même propre, hein. Bon, est-ce qu'une invoque c'est vraiment utile sur cet AMU? Non, pas vraiment, parce que concrètement dans les stuffs. Dans lesquelles elle pourrait me servir, il y a déjà plusieurs invocations. Alors ce que je vais faire. J'ai bien envie de tenter encore les restes comme ça là. C'est pas mal cette histoire. Allez, je tente. Oh, j'y croyais tellement. Bon, on va retenter. Oh! Oh alors ça. Ça, c'est assez improbable. Bon, du coup, il me restait 2 depuis. Il me restait 2, j'ai fait plus 12. Eh ben, il devait même me rester 3 hein, pour que j'ai un moins reliquat sur le truc. Donc là, a priori, je suis retombé à 0 là-dessus. Je devais avoir 3 de puits restants. Hop. Donc là, j'ai plus 10. Plus 51. Moins 15. Waouh, c'est assez incroyable. Si j'ai de la chance là-dessus, ça peut donner quelque chose de génial. Mais il va me falloir un double succès à la fin sur le PO. Ok, on a un crit là-dessus. 46 de puits. Je peux essayer de viser les 2% reste distance. 2, 3. Bon. Est-ce qu'on a un double PO?
Oh, j'ai ça aurait pu faire un truc tellement fou. Bon, dommage, hein, j'aurais tenté. Bon, ici on a 84 de puits, ça peut peut-être donner quelque chose. Je vais devoir commencer par la vitalité. Alors, je pourrais soit vraiment forcer sur la pavie, soit y aller à la ravie. Bon, la pavie à ce stade, ça a quand même peu de chances de passer, donc on va y aller sur la. On va y aller plutôt à la ravie en espérant que ça passe assez vite. Ok, moins 20. Il me faudrait un truc qui pèse 5 pour enlever ça. Malheureusement, j'ai pas ça sous la main. Les runes, dommage, il faut que je les garde. Je vais donc y aller à l'initiative. Hop, en essayant de récupérer peut-être un peu de puits. Ouais, ah, j'aurais aimé tomber sur 400 tout pile, c'est pas grave. Je vais balancer les deux hauts maintenant. Moins 13, moins 28. Hop. Là, passe ça. Est-ce qu'elle passe? Oui, moins 9. Bon, il me restera pas grand-chose à la fin. C'est écrit, ça ferait plaisir, voilà. Nickel, il suffisait de demander. Moins 10, j'ai donc 17 de puits restants. Peut-être 18 si j'avais un petit peu de résidu d'avance, ce serait pas étonnant. J'ai pas compté de manière spécialement rigoureuse. Ouais. Alors. Combien on a qui passe là-dessus? J'avais effectivement un tout petit peu de rab. Bon, bah, on va retenter encore les raids distance là. Pourquoi pas. Si on a un PA. Ouais, on a le PA. C'est sympa d'avoir un petit crit là-dessus. Non, toujours pas. Bon, ici, la chance, elle est à 75. Ça m'embête un petit peu. Je me contenterai certainement pas d'un 95. En revanche, un 98, ça peut peut-être passer si le reste est très clean. Donc, on va essayer de forcer le passage à 78, même si à la pacha ici, c'est un peu complexe. On va essayer. C'est parti. Eh bien, ça passe plutôt bien. Ça passe plutôt bien. Alors, j'étais à combien là? Je devais avoir bon là de la poussière depuis. On a 102, moins 5 et moins 6. Ok, 91 depuis ici. Alors je vais à nouveau devoir faire un over-vitalité qui passe tout de suite, c'est pas mal. Sur quoi je peux le récupérer? Pas grand-chose, hein. Je pourrais essayer de passer à 81, mais ce serait peut-être plus du gâchis qu'autre chose, donc on va pas faire les fous. On va enlever l'over. Hop. Bien tombé à 400 tout pile. Eh bah décidément, j'aurais jamais ça, c'est pas grave. Je vais tenter l'appât de haut tout de suite. Oh le critique. On a peut-être une très belle tenta qui se profile là. Ok, là j'ai moins 6. Et un crit. Ok, 75. 75, ça nous fait donc 12 tentailles, on a 3 depuis en rab. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter du crit. Sur les runes chat, ou alors je peux tenter une pacha. Je pense que 3 crits sur une 3 tentats de SC sur des runes chat, c'est plus intéressant, ça a plus de sens d'arriver. Alors que la pacha, j'y crois vraiment pas. Alors on va essayer. Une, deux et trois. Ok, on n'a rien, donc moins 3. Il nous reste 72, hein, et donc divisé par 6, on a bien les 12 tentats. 14% là, ce serait bien peut-être. Espérons. Alors. 1%. 2%, 3%. Bon, c'est pas fou. Si j'ai 3% là-dessus, c'est légal, hein, ça va très bien. Moi, ça m'ira. Et le PA qui passe. Bon, bah, c'est un item qui n'a rien d'incroyable. Hein, c'est un jet tout à fait commun qu'on en voit beaucoup dans le commerce. Mais c'est propre. Voilà, c'est propre. La chance que je suis bien content d'avoir à 98 et pas à 95. On va donc passer à l'item suivant. Alors, je sais pas ce qu'on va faire. J'ai pas mal de trucs qui traînent. Voilà. Pour cette petite amulette de chocotte qui m'aura pas tellement embêté au final, hein, ça s'est plutôt bien passé. C'était. J'ai un petit peu les boules quand même pour le jet de tout à l'heure, hein, qui était en tout parfait 2%. Si j'avais eu un crit sur la rune de résistance distance là-dessus, ça aurait été vraiment un très très bel item. Mais ce n'est pas passé. Et on enchaîne avec un poulpagne sur lequel je viens d'avoir un petit puits PA. 95 de puits, c'est pas trop mal. Alors on va voir là-dessus, on va partir en. J'ai dit quoi? Pourcent haut et si possible un PO. Bon, on va essayer d'y croire. Je vais commencer par la vitalité. Ok, moins 20. Alors là, j'ai un poil de puits à récupérer. 7. Bon, bah, je vais y aller à l'ini. Hop. Ensuite, la chance. Alors là, je vais aller chercher le perf. Hein. Très clairement. Donc, moins 2. On va faire un over. Voilà, moins 20.
On va enlever l'over. Alors là, j'ai des petites runes res fixes. Hop, c'est nickel. On va s'occuper des res. Ensuite, on mettra les dommages. Ok. Alors. 5. Non, moins 4. Donc, plus 1. Hop. 12 ici. Et le dommage haut qui passe en prenant 15 de puits. Donc 22 restants, on est parti. Bon, il faut que je change mon organisation de mes runes en bas, là ça va pas du tout. On va rester là-dessus. Donc je peux en mettre 3, 2, 3. Voilà, je vais en tenter une quatrième. C'est possible que j'ai un peu de puits restant d'avant. Non, j'en avais pas, bon ça prend dans la prospection, c'est pas trop mal. Bah là sur 1% c'est pas terrible hein, concrètement, et ça ne passe pas. On a ici une tenta 95 de puits, alors la vitalité m'embête. Quel est le plus intéressant entre une pavie et une ravie? Là c'est un peu discutable. Ce que je vais faire c'est peut-être balancer une rachat et après tenter une pavie derrière le succès rachat. Ça peut être intéressant de faire comme ça. Comme ça là j'ai 3 d'over et si je peux les récupérer là-dessus c'est nickel. Ok, je les récupère pas. Et en tout cas j'enlève mon over. Je vais peut-être devoir y aller la pavie quand même. Hein. Alors. Ça peut passer la pavie là-dessus. Hein. Allez, je vais tester. Ok, c'est correct. Moins 9 ici. Alors j'aimerais bien avoir un moins 6 pour une fois là. Oh, cool. Pas souvent que ça nous fait ça. Là on part sur un G qui est quand même plutôt propre. Hein. 76 de puits restant. Est-ce que je tenterai pas une pado? Tenter une pado hein, concrètement. Ouais, dans le dos, ce sera bien. Hop. Il y a moins 10, c'est correct. 66, c'est parfait, ça nous laisse 11 tentatives. Là, je vérifie que j'ai rien oublié parce que c'est un peu bête de balancer les exorès quand on a oublié de remonter quelque chose, mais non, ça me paraît bien. C'est parti, alors, on a 1%, on a 2. Oh putain, c'est des res hauts. Ce fail. Depuis tout à l'heure, je dis qu'il faut que je bouge mes runes de place et je le fais pas. Hop. Bon, je suis baisé du coup. J'en ai eu combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, c'était parfait, c'est dommage. Bon, du coup, j'ai un petit moins 22 ici. Et ça me fait 44. Si une... Ok, on a un super double exo. Cette vidéo part complètement en vrille, c'est génial. On a moins 2 ici et il nous en reste donc 7 des tentacles. Décidément, c'était ridicule ce que je viens de faire. Complètement ridicule. Hop. Bon, si je peux quand même avoir un 3%, ça me va. Hein. Et du coup, non. Allez, je suis sûr que si j'avais pas fait de la merde, j'aurais eu 3 ou 4%. De toute façon, ça part en tenta PO juste derrière. Hein, donc, pas de PA, ça règle le problème. Alors là, on est sur une capuche de l'œil attentif. Et on vient d'avoir un petit puits PO. Et on va partir en exo res R là-dessus. Hein. Alors l'initiative, je m'en fous un petit peu. On va essayer quand même d'avoir un truc un peu plus propre sur de la vitalité. Ok, moins 6. J'ai pas calculé le puits que j'avais avant. Je dois avoir, je pense pas que j'en ai beaucoup qui restent d'avant, je vais même pas m'embêter à compter. On va faire 51 moins 6. Moins 12 même, hop. Ok, j'ai 39. Alors il faudrait que ça passe assez vite quand même. Là je vais pas pouvoir être trop exigeant sur le G. Moins 10, je vais devoir me contenter des 77 de chance. Ok, on récupère le petit overvita ici. On va monter la fuite. Moins 4. Je vais monter les raises et je vais espérer avoir un succès crit sur la pado ensuite. Ça me paraît être la bonne manière de faire. Moins 6. J'ai donc 19 depuis. Ouais, il me faut un crit là-dessus. Si j'ai un crit, je peux espérer avoir quelque chose de bien. Et c'est mort. Bah, je peux toujours espérer un crit, hein, mais voilà, là forcément ça complique les choses. Peut-être un petit crit à la ravie, non. Je vais tenter un PA. Ce que je vais faire à chaque fois avant de remettre le PO, je vais tenter un PA. Parce que si j'ai un PA qui passe sur un G qui a été remonté en puits PO, que je brise le PA, et après je retente le PO en crit. C'est un petit peu osé, mais ça peut donner du gros G, donc sait-on jamais, à chaque fois je vais essayer. Ça ne passe pas. On a ici un puits invoque sur un sceptre du roi joueur. Item qui est très compliqué à FM, qui va certainement terminer en brisage PA, je pense. Hein. Il n'y a pas vraiment d'autre manière de faire, à mon avis, si on est exigeant sur le G.
Tout de même, je pars là dans l'optique d'en faire un sans retrait PA. Donc ça simplifie les choses et peut-être qu'on peut avoir quelque chose. Mais j'y crois qu'à moitié. Bon bah allez à nouveau le PA. Non. On reprend cette série de forges magie avec une tentative de brisage PA sur un cadran de feu. Voilà, donc je me suis pris 100 orbes, 100 runes. Et je vous retrouve tout de suite si un PA passe là-dessus. Et on a ici notre premier PA qui est passé en 89 runes sur un G qui est plutôt médiocre, hein, les pourcents de reste distance sont au minimum. Bon, on va espérer que ça se passe plutôt bien. C'est parti, alors on a 6 plus 14, 15. Je vais essayer de monter ça à 11 si je peux. Alors plus 6, plus 4, moins 15, on retombe à 0. Ok, bon, ça aurait pu être pire. J'ai donc plus 85, 85 de puits. Bon, ça va que l'item est pas très dur à FM. Je vais essayer de monter les restes feu. Bah non, elles sont bien là, elles vont tomber tout pile à 25. Alors, on va y aller là-dessus. Hop, moins 12 ici. Les réfixes. Hop, moins 12 à nouveau. Pourcent de reste distance, c'est ça qui me fait un peu peur. Ok, on a un crit. On va garder le dernier pour la fin. 3, 4, moins 24 ici. Moins 7, ça se passe plutôt bien. Bon, 30 de puits. Il faudrait un crit là-dessus, ce serait vraiment chouette. Ça nous laisserait 5 Tantares derrière. Et on n'a pas de crit, mais on a un succès neutre, ce qui est tout à fait correct. Ça me laisse 2 Tantas res R. C'est de la res R que j'ai envie de caler là-dessus. Si j'avais pu avoir juste un succès, ça me convient. Ok. Ok, c'est honnête. C'est pas le jet du siècle. Je briserai peut-être d'autres PA dessus par la suite, mais là, on va pas forcer plus que ça. Et on va rester là-dessus. J'aurais pu tenter un succès crit sur une rune qui pèse 3 avant, mais bon, ça arrive. C'est tellement rare que ça passe sur un plus 3. Ça m'aurait permis d'avoir une tenta de plus. Hein. Ouais, j'aurais dû le faire, j'ai pas d'excuses, j'aurais dû le faire. Mais bon, voilà, on a un truc qui est acceptable ici. Ce sera tout donc pour ce bouclier. On retrouve ici notre poulpagne sur lequel j'ai un petit puits PA à 93 de puits. On va commencer par un Overvita, ça s'impose un petit peu. 3, 4, 5, ok, c'est ruiné. On va quand même test, mais perdre 40 de puits pour passer une ravie, ça picote. Hop. Allez, la chance qui va monter à 70. Bon, ça va que le reste de l'item est clean en fait, je dis ça, mais si ça passe assez vite. Ah, décidément. Moins 30, ça me laisse 23 de puits. Je vais en tenter. Je vais partir du principe que j'ai 24 si j'avais un peu de puits d'avant. On va espérer. Et est-ce qu'on peut passer des restes là-dessus? Une, deux, trois. Allez, je vais tenter la quatrième. Est-ce que j'ai des chances d'avoir du puits qui reste? Allez, on va dire que oui. Ouais, bon, moi, il n'y avait pas de quoi passer la rune. Le PA est là. Et on va tenter le PO. Un PO là-dessus, ça ferait ultra plaisir, hein, on va pas se mentir. Et non. On a ici un autre puits PA sur un jet qui est pas mal du tout, enfin qui peut donner quelque chose de beau une fois que ce sera remonté. On va arriver sur le 70 chance, sur le 40 sagesse. Et il faut qu'on commence par s'occuper de la Vita. Alors hop, moins 6. En espérant que la ravie ne soit pas aussi capricieuse que tout à l'heure. Et ça passe. On va baisser l'over avec une runini. Hop. Allez, c'est parti, la chance. 3. L'arracha qui crit, ça fait plaisir. On va monter le petit crit ici. Qui crit également. Et on va avoir une très très belle tenta là. Et moins 9 là-dessus. 66, c'est parfait, ça nous laisse pile 11 tantas res O. Hop, c'est bien O qu'il me faut, hein. Oui, c'est ça. Alors, ouais, très très beau jet, c'est parti. Si on pouvait avoir un petit 3% ou même un 4%, ce serait très appréciable. 1% pour l'instant. 2%, d'accord, 2%. Bon, bah, ça va partir en PO si ça passe. Dommage. Alors, tenta suivante, on a ici 93 de puits. La vitalité va tomber à 348, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on a combien? On a moins 12 déjà, hop. Et on va y aller à la ravie, à moins que je commence par un petit overchance. Ouais, je vais faire ça, je vais aller viser le 70 pour être sûr du perf. Moins 13 ici, on va récupérer le petit over avec une rune comme ceci, hop. Et ensuite, on passe la ravie. Ah, moins 28 là-dessus. Hop!
Plus que les raises et les esquives à monter. Alors, moins 6, moins 12. Bon, j'aurais peut-être une petite tente à PO. Moins 7, 21 de puits restants. Alors là, cette fois-ci, je l'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. On va tenter une rune qui pèse 3. C'est bien une païnée, ça. Hein. Non, c'est une idée, heureusement que je vérifie. On a une pafo ici, voilà. Si ça crit, je gagne une tenta. Ça ne crit pas, donc moins 3, j'ai 18, donc 3 tentatives. Une, deux. Est-ce qu'on peut avoir un 3% sur 3 tentatives? Ah, ça aurait été beau. Bon, bah, tenta PO si le PA passe. Et non. Je vous commande cette tenta en différé. Alors, j'ai eu un sacré coup de poisse. Puisque le record n'a pas marché. En fait, j'ai l'audio qui grésille à fond. Ça m'avait déjà fait ça dans une vieille vidéo de FM. C'est assez rare, mais bah, quand ça m'arrive, je suis obligé de cut au montage la tenta qui correspond. Sauf que celle-ci, bah, j'ai pas vraiment pu la cut. Donc, je suis obligé de vous spoil. Hein, ça va passer là-dessus, bien sûr. Et donc je vous refais le commentary en le différé pendant le montage. Voilà, donc bon, on avait un G quand même là qui partait assez bien, hein, la sagesse vachement clean, la vitalité en moins 1, et bah, perfectionnisme comme je suis, perfectionniste pardon. Je vais chercher bien sûr les 70 en chance, donc voilà, technique classique, hein, le petit over que j'enlève ensuite. Alors là, je me suis planté dans l'ordre à nouveau. Je crois que je l'avais déjà fait hein, dans la vidéo, c'est-à-dire que j'ai passé la vitalité avant de m'occuper de la chance, alors que si j'avais fait dans l'autre sens, j'aurais pu récupérer une tenta à vie sur l'over chance, hein, ce qui aurait été plus intelligent. Bref, en tout cas, là j'ai un G qui est du coup ultra propre et j'ai de quoi faire 15 tentas, hein, 91 de puits. C'est vraiment énorme, même pour un item appui PA, hein, sachant que le maximum qu'on peut avoir c'est 16 tentas. Donc c'est quand même pas mal du tout. Et donc là on est parti pour les 15 tentas. La première qui passe, la deuxième qui passe. Quand ça commence comme ça dans les cas-là, on est quand même ultra content. Et puis peut-être le quatrième, je vous laisse découvrir ça. Pas de quatrième pour cent. Et donc le PA, voilà, comme je l'ai dit, qui repasse là-dessus. En plus, je suis deck parce que ma réaction était assez sympathique. Mais vous ne l'aurez pas. Voilà, donc le G final pour le Poulpagne qui est ultra propre. Bon, j'aurais préféré le PO, hein, 2% PO, ça aurait été préférable. Mais ça fait quand même tout à fait l'affaire. Voilà, donc bah on passe à la suite. Alors, on reprend la capuche de l'œil attentif. On a 48 de puits ici, hein, le PO vient de tomber. Cet item, il me fait un petit peu flipper quand même. Il y a beaucoup de choses à gérer. On va commencer par l'Over Vita parce que là, il n'y a pas le choix. Mais ça va être compliqué d'aller chercher du perf là-dessus. Hein. Sauf si on part en brisage PA, donc on va voir comment on gère ça. Moins 20. Est-ce que je peux récupérer 2 ou 3 de puits quelque part? Pas vraiment, hein. Je vais essayer d'y aller à l'INI. Mais ouais, non, c'est même pas spécialement intéressant. On va y aller sur de la rune. Ça, c'est Intel, on a dit. Hein. Hop. Voilà. Parce que si j'avais pris de l'INI, hein, ça serait certainement pas passé. Ça m'aurait juste défoncé le. Enfin, ça m'aurait enlevé l'over, quoi, mais sans me rajouter de puits. Alors que là, en faisant ça, l'exo passe et je récupère 2 de puits. Donc, c'est plus rentable. Bon, on va laisser chance, sagesse comme ça pour l'instant. On va voir si on arrive à monter les dommages à 20. J'ai moins 3 ici. 25 de puits. Bon, si j'ai un crit là-dessus, j'ai une chance d'avoir un truc bien. Ok, c'est mort. C'est complètement mort. Je vais tenter un PA. Si je peux partir en brisage PA et retenter le PO à la fin, ce sera bien. Pas de PA. À nouveau un puits PO. Bon, cette fois, on est sur du 31 de sagesse. C'est un peu crade. On va voir quand même si on peut exploiter ça. Alors, moins 10. Là, on va pas viser du GPR, enfin, malheureusement, ça va être compliqué. Ok, alors la chance, est-ce qu'on peut aller chercher? Oh, ça m'ira pas à 75, hein. Je vais essayer de passer une Pacha. Ça passe, ok, cool. Donc là, 78, ce sera acceptable. Ok, moins 10. 25 restants, bah, c'est encore une fois sur la Pado que tout se joue. Hein. Si j'ai un crit, oh, je vais même la garder pour la fin, je vais essayer de crit à la fin, tout simplement. Moins 6. Moins 7. Il me reste 12 de puits. Ce qu'on va faire avec ces 12 de puits, ça va être. Peut-être essayer de remonter la fuite. Allez, moins 4. Bon, j'ai 8. Ce qui va me laisser 2 tentas ici. Hop, voilà, pour dire qu'on a utilisé. Ensuite, on va tenter une rune res R.
ça passe et il me faudrait un crit sur la Padoho pour terminer. Ah puis après il me faudra le crit sur le PO. Oh là là, ça va être compliqué. Et non. Allez, petit PA. Toujours pas. Bon alors ici on a un jet qui est pas terrible, j'avais un truc qui était très clean avant et il manquait juste les dommages haut en gros. J'ai tenté une pas de haut en espérant que ça fasse tomber le PO et malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc là je me retrouve avec un 18 dommages haut, ce qui est un petit peu dur à exploiter. Je pense que je vais aller chercher les 19 et je devrais en rester là quoi. Alors on a moins 9, la vitalité ici ce sera correct. La chance à nouveau, j'aurais dû passer la chance avant. Moins 20. Qu'est-ce que je peux faire avec les 3 que j'ai en rab? Pas grand chose, ouais, ça aurait été mieux de les mettre avant les pavis, parce que la pavie aurait tapé dans l'overchance. Deux fois que je fais le coup, décidément, je suis pas très concentré. C'est pas top. Bon, là, ce sera correct. On va monter les res. Moins 12, il doit plus me rester grand chose, hein, malheureusement. 7 de puits restants. 18 de haut, c'est vraiment léger quand même. Bon, cela dit, le reste est clean. Moins 5. J'ai 2 depuis. Bon, on va voir si le PO passe. Le PO passe. Ouais, je vais tenter une petite 13 R là-dessus. Hein. Si on a un crit, si ça tape dans l'initiative, ça peut le faire. Non. J'espère encore un petit coup. Allez, si j'ai un crit là-dessus, je considérerais que c'est acceptable. Toujours pas. Bon, je crois qu'il va falloir aller rechercher le puits PO, malheureusement. Ouais, c'est mort. Ok, alors là j'ai une tenta qui a l'air vraiment sympa, j'ai 52 puits, je suis assez optimiste, tout est à peu près correct. La vitalité, on va juste mettre une ravie, hop, voilà, la chance, on va laisser comme ça, la sagesse, ça va être compliqué d'aller chercher plus haut. Les restes qui passent, moins 6. Allez, je vais tenter la pas de haut, il faudrait vraiment que ça passe. Oh, quel dommage. Quel dommage. Bah du coup, c'est mort. Je peux tenter, il me faudrait 3 crits d'affilée là, mais ça peut le faire. Hein. En soi, ça peut le faire. Ouais, bon, avec les deux qui repassent comme ça, c'est fini malheureusement. Allez, peut-être un crit ici. Non, dommage. Bon, il faudrait vraiment que je la passe en crit à la fin, la pas de haut, je pense, parce que sinon ça va être complexe. Hein. Encore une fois, ici on a un truc qui part plutôt bien. Alors, il faut juste faire un mini overchance, ça passe. Et la vitalité, il n'y a pas besoin de toucher. On va laisser la sagesse comme elle est. Allez, petit. 13 terre, moins 11, ça me laisse 24 depuis. Si on va tenter la fuite, 4. Alors, est-ce que je tente la pas de haut maintenant? Je vais la garder pour le crit à la fin, comme j'avais dit. Donc là, j'ai 3 tentats sur les raises. 1, 2, 3. Allez, il me faut 2 crits, hein, mais c'est faisable, hein, théoriquement, c'est faisable. Pas de crit ici. Oh, je peux peut-être tenter quand même d'avoir un crit là-dessus. 8 fuites, ça peut être acceptable. Et non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Bon, on peut tenter encore un petit coup et puis je tenterai un PA si des fois ça ne veut pas. Ah, est-ce que je peux avoir le PO là-dessus? Ouais. Elle est avec la vitalité de cet Andax. Si je peux crit sur une ravie ici, on a quelque chose de jouable. Hein. Ça se tentait. Ça se tentait, ça se tentait. Bon bah du coup, PA pas très rentable ici. Non, tant pis. Alors, quelques runes plus tard, j'ai à nouveau le PO qui tombe. On va aller chercher les 19 de haut. C'est un peu le mieux qu'on a à faire. Alors je vais quand même commencer par l'Overvita. Hop, j'ai pas calculé mon puits. Je devais être sur du crit, je crois. Ça doit me faire 45 moins 10. 51 moins 10, hein. Qu'est-ce que j'en... 55 moins 10, voilà. Donc 45. Ensuite, on va venir baisser le petit over vita, comme ceci. Là, c'est bon, là, c'est bon. Allez, les dommages, on va essayer de forcer. Ok, ça passe ici. Moins 5. Ensuite, les raises. Moins 6. Bon, j'ai 34. Ce qui veut dire que je vais tenter une fuite. Et ça me laissera après 5 tentes à raise. Ok, ça passe. Bon, on est sur du 19 d'eau, mais au vu de la difficulté de FM de l'item, je considère qu'on a un truc qui est acceptable. 5 tentas, allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, franchement, un PO là-dessus. Ah, quel dommage, ça m'aurait fait bien plaisir. On continue.
Alors, on a ici 42 depuis. J'ai monté la sagesse à 48. C'est la première tenta que j'ai avec une sagesse aussi propre. Ça va être un poil complexe, mais on va tester. Bon, la chance, je vais devoir la laisser à 76. J'en ai bien peur. Ça va être très dur d'aller au-dessus. Alors, 32. Hop. Bah, on va. Est-ce que j'y vais sur la pas de haut tout de suite ou est-ce que je la garde encore une fois pour essayer en crit? Je vais tenter de la passer maintenant, peut-être sur cette tenta. Et ça crit, yes! Ça crit. Donc j'ai 32 de puits, j'ai 2 de puits qui vont être inutilisés sur les res, donc je vais essayer de les mettre sur la chance en espérant que je puisse grappiller un petit succès. Non, donc à nouveau 5 tenta res R. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, si je peux avoir ce jet, ça me convient. Tant pis. Ah, je vais tenter le PA quand même. Non plus. On a une super tenta ici, alors 42 de puits. La vitalité et la chance qu'il va falloir essayer de remonter un poil, mais tout le reste est clean. C'est parti. Allez, ça passe. La chance me fait un poil peur, mais cela dit, 75 c'est quand même tendu, hein. C'est tendu d'avoir 75 de chance. Oh, en même temps, si je la remonte, je m'enlève quasiment toute chance de pouvoir terminer. C'est peut-être plus sage de la laisser comme ça. Ouais, c'est ce que je vais faire. Oh, décidément, les pas de haut, c'est un enfer, hein. Dommage. Une fois de plus. Allez, le petit PA. 46 depuis là-dessus. Bon, on va tester, hein. Alors, la Vita qui passe. Pas bien que j'ai un moins 6 là. Non, dommage. Alors, le crit qui arrive juste quand on n'en a pas besoin. Et doublette. Bon, pourquoi pas. Alors, le crit ici également. Il oh, y a peut-être une chance d'avoir quelque chose de correct. Hein. Moins 8, ça commence plutôt bien. Je vais m'occuper ici des res. Hop, moins 6. Et encore une fois, c'est les dommages qui vont nous mettre en difficulté. On va aller chercher les 17, ça crit. Et puis on va tenter la petite pas de haut, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un petit peu que ça à faire. Et ça passe. Moins 15. Bon, 7 de puits restant. Si je peux avoir juste 1% res-air sur ce jet qui est propre. Oh, j'ai oublié 10 de chance, je le vois que maintenant. Dommage. Bon, c'est mieux que je le vois maintenant plutôt que je passe le truc et qu'à la fin je me rende compte. Ouais, elle est comme ça peut encore se négocier. Non, toujours pas. Le PA, une fois de plus. Oh, ça finira pas passer, hein. Allez, on continue. Tentative suivante. Alors là, la chance va arriver à 80, ça va être sympa. Est-ce qu'on s'en sort avec la Vita? Moins 6. Ok, moins 10. C'est pas trop mal pour le moment. Bon, les dommages qui sont à 18, ça va encore me poser problème, hein. Mais ça, on commence à s'y habituer. Moins 19 pour la chance, ça va être compliqué, il reste plus grand chose là. Il va falloir les esquives PA. Ok, moins 7, j'ai plus de puits. Je vais juste tenter un petit crit à la. Ah non, il me faut le dommage haut à 19. Hein. Ok, si je peux avoir un crit là-dessus et repasser le PO, ça me va. Ça fera l'affaire. Non, toujours pas. Ouais, c'est mort. Wow, moi qu'on a un crit là-dessus, mais je commence à. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, ça arrive juste quand il n'y a plus rien à faire du G. C'est classique. Non, 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 ça ne veut pas. Allez, tenta PA. Non plus. Bon, on a ici une tentative un peu folklorique, je pense qu'on va en pondre. On va tester. Alors cette fois-ci, je passe bien les runes dans le bon ordre. Je commence par la chance, moins 10, pour pouvoir récupérer l'over. Sur la pavie. Voilà exactement ce que je voulais. C'est nickel. Moins 3 ici. Ok, moins 10. Le crit qui rattrape un petit peu l'échec d'avant. 27 de puits restant. Alors là, il va nous falloir bien sûr les res neutres. Moins 6. Et bah, les dommages, hein, toujours le petit moment délicat du FM. Ok, on a un crit. Allez, la petite pado qui passe. Moins 15. Il me reste 6, bah on va faire une petite tentarèse qui passe, et si j'ai un PO, on en restera là. Oh là là, décidément, pas évident. Alors on a ici une tenta à 49 depuis. Je vais y aller avec un over, moins 10. On va récupérer l'over sur un dommage haut.
espérant que ça passe. Bon, ça passe pas. On redescend de la vitalité comme il faut. Je vais peut-être faire pareil pour la chance. Ouais. Espérant que ça bouffe pas trop de puits. Moins 20. Et à nouveau, le dommage haut qu'on va essayer de remonter à 19. Voilà, ça passe. C'est correct, c'est ce que je voulais. Ensuite, les restes, ça crit. Il me reste 19 de puits. 19 de puits, il n'y a pas grand-chose à faire avec le 1 de puits restant. Si je peux tenter une runini. Oh, ça passe, c'est sympa. Hop, voilà. Donc, ça me fait 18 de puits et 3 tentats. Bon, la sagesse et fuite, hein, je vais les laisser comme ça. Comme de toute façon, c'est pas un jet que je vais garder, hein, c'est juste pour tester des petits stuff, des petits mods. On en parlera après. Oh là là, j'ai aucune raise. Quel dommage. Quel dommage. Alors, cette fois-ci, 41 de puits. On va commencer par la chance qui passe, moins 10. Je récupère les 4 d'overchance sur la fuite. Ok, c'est correct. Allez, la vita. Moins 10. Ça nous fait combien de puits? 21. Ouais, bon bah allez, on est parti. Hein. Un petit pas de haut qui passe. Moins 15, à nouveau, le petit pourcent de raise qui ne passe pas. Je vais peut-être le tenter une fois de plus. Et non, le PA. Non plus. Allez, on continue. 46 de puits. On va commencer ici par la vita. Bon, la chance, hein, je vais la laisser comme elle est. Ok, double crit pour commencer, ça fait plaisir. Ah, j'aurais bien aimé crit sur les ravis plutôt, ça aurait été préférable. Alors, les petites raises. Hop. 6. Ok, du crit à nouveau. 22 puits. Bon bah allez, on est parti. Hein. C'est encore sur l'appât d'eau que tout va se jouer. 15 restants. Il y a un petit crit là. Non, dommage. Je vais tenter à nouveau d'avoir un succès crit là-dessus. Non, ça ne passera pas. Oh, si je peux avoir l'appât d'eau là. Peut-être moyen de négocier quelque chose. Hey! Enfin. Bon, du coup, le jet, il a été un petit peu amoché, mais ça reste globalement correct. Mais pas de PO. Toujours pas de PO. On va tenter le PA. Et non. Alors, ici, 42 puits. C'est parti. Ça peut se passer de manière correcte. Ok, la vitesse qui passe. Chance, on va laisser. Sagesse, on va laisser. On va juste monter. Est-ce que je monte la fuite? On va y aller sur la pado tout de suite. Hop, ça passe. Ok, cool. Moins 15. Il me laisse 15 de puits. Est-ce que j'aurais pas eu un poil de puits en rab par hasard? J'en doute. Là, j'ai eu un moins 1. Là, j'ai eu un moins 3. Là, j'ai un plus 3. Là, je devais avoir un plus 2, là. Je dois donc avoir 16 de puits, je pense, mais ça change pas grand-chose. Ah, si, ça peut changer quelque chose. Je peux tenter une fuite qui passe et je vais tenter deux runes res R. Une. Il faut vraiment pas que je me plante, hein. Normalement, je peux. Oh putain, je perds un dommage. C'est pas grave, j'avais un doute, hein, mais c'est pas grave. Si j'ai le PO là-dessus, bon, ça règle le problème. Tant pis. Alors, avant qu'on s'intéresse à cette tenta, je vais vous montrer un truc au moyen de me link. Vous pourrez peut-être donner votre avis dans les commentaires. Quelqu'un qui me demande d'estimer ces bots strigides, qui ont un jet assez atypique. C'est très très sympa au niveau de la vitalité qui est PF, de la puissance qui est à 73, hein, c'est pas facile à choper sur cet item. Bon, la sagesse est à 42, beaucoup l'accepteront sans problème. Tous les dommages à 13, 8% reste feu, pas mal du tout. On a un d'over, enfin un de récri, donc 17 d'over récri. Mais il manque deux esquives PA, donc moi je lui ai dit que je savais pas trop estimer ça parce que on a un item qui est vraiment très très bon sur pas mal de points, mais il manque deux esquives PA. Or, c'est plutôt un truc qu'on va utiliser pour PVP sur un gros roxer. Donc les esquives PA, c'est pas négligeable quoi. Donc voilà, si vous avez un avis sur cet item dans les commentaires, faites-vous plaisir. Bon alors, ici on a 50 de puits. Il va falloir commencer par la vitalité. Je vais laisser la chance comme ça, hein, j'ai pas trop le choix. Et on a vu que je ne pouvais pas me permettre d'être trop exigeant sur cet item. Parce que c'est vraiment pas évident. Et si je veux avoir une chance de terminer le FM, il va bien falloir que je sois assez souple. Alors on va mettre une petite fuite ici, voilà, pour baisser l'overvie. Ensuite, Rester qui passe, 6. Esquive PA qui passe également, moins 7. 27 de puits restants. Bah allez, on va espérer avoir une pado et décidément, toujours pas. Hein. On va à nouveau tenter un PA. Et non, on continue. Je suis un petit peu deg, là le PO a mis très longtemps à tomber et pendant un bon paquet de runes, j'ai tourné autour d'un jet qui était excellent. Qui était vraiment presque perf à part les deux hauts à 17 et le PO n'est pas tombé à ce moment-là.
Il y a toujours des moments dans les FM où on se dit, ah, si seulement ça pouvait tomber maintenant, ce serait génial. Et ben là, ça n'a pas été le cas, malheureusement pour moi. Alors, 33, il y a beaucoup de choses à remonter là au niveau des raises, ça va être un peu complexe. Moins 7 ici. Il va nous falloir du crit, hein. Ok. Moins 6, il suffisait de demander. Ah, je suis même pas sûr qu'on arrive au bout, non. Est-ce que ça vaut la peine que je teste? Ouais, ça peut le faire là. Ça peut le faire si on a un crit. Ouais, non, allez, il va falloir beaucoup de crit quand même, hein, ne rêvons pas. Allez, le PA. Et non. Ici, on a une tenta un petit peu bizarre. Le G est globalement très bien, à part la sagesse qui est vraiment moisie. Je m'étais dit qu'il était vraiment temps que je la remonte dans le FM là, et le PO tombe pile à ce moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme ça, tout simplement. Hein. C'est un jet qui est provisoire, donc je le referai plus proprement si je décide de me servir de cet item. Mais là, il faut bien que je fasse des concessions, parce que sinon on passera jamais rien. Donc c'est parti. Hop, moins 20 ici. Ok, il reste 22. Il me faudrait l'appât d'eau, ça ne passe toujours pas. Hop, allez, le crit à l'appât d'eau peut-être. Non, je vais déjà mettre le PO. Non, déjà l'appât d'eau. Pas de crit. On va tenter le PA non plus. On continue. Alors, j'ai 42 depuis. Je commence à me dire que je vais devoir tolérer un 200... Enfin, 340 de Vita. Sinon, je m'en sortirai jamais. Et on a du crit. Ok, c'est correct. Esquive PA qui passe également. On va plus que les raises et on est parti. Et 12, 8, 17 de puits restants. Est-ce que j'aurais pas un petit peu de puits d'avant par hasard? Je vais compter à partir de d'ici, je crois. Bon, on verra ça. Je vais déjà tenter l'appât d'eau. Oh, le crit, enfin. Alors là, j'ai deux ou peut-être trois tentats sur les raises. Alors, je prends le temps de recompter du coup. Ok, donc là j'ai eu un moins 5. Si j'avais plus que 5 avant, là j'ai eu 5. 5 et 7, 12. Moins 9, j'ai eu 3 ici. 3 et là j'ai 2. Donc ça me faisait bien 5. Là j'ai du moins reliquat. Non, a priori, j'ai pas plus que ça. Je vais donc tenter un succès crit à la inné. Faudrait un crit. Non, j'ai que deux tentats. Non, bah j'aurai que deux tentats. C'est pas grave. Allez, une, deux. Oh là là, quel dommage. Et le PO qui passe là-dessus, évidemment. Non, je peux pas me contenter de ça après tous les efforts que j'ai faits. Ah! Est-ce qu'on accepte ça ou pas? Est-ce qu'on n'accepte pas? Est-ce que je tente un crit à la Ravie? Parce que franchement, si on a un Exores R avec une Ravie, ça peut être pas mal, hein. Ah, je crois qu'on va rester là-dessus parce que ça a assez duré, puis j'y reviendrai plus tard si c'est nécessaire. Bon, c'est dommage, hein, la vitalité du coup vraiment crade, le reste est jouable, hein. On va donc partir là-dessus. Voilà pour cet item qui m'a bien fait galérer quand même, hein. Bien fait galérer. Allez, on passe à la suite. Alors, on revient sur le sceptre du roi joueur. Qui va être encore plus galère à FM, je pense, mais cette fois-ci il y a la prospection et le retrait PA dont on peut se délester. Ça améliorera peut-être un petit peu les choses, espérons-le. Alors, hop, voilà, il n'y a déjà plus rien, c'est bien. Là, ça va être du brisage PA, c'est quasi sûr. Hein. Je vois pas trop d'autres solutions. Bon, et eh bien sans utiliser le puits PA, je suis arrivé à un... le puits Invo, pardon. Je suis arrivé à un truc qui est acceptable. Il manque juste un petit crit sur la pas de haut, et si on a un crit là-dessus, on pourra dire que c'est bon. Mais évidemment. Ça aurait été trop beau. Bon, et bien là, je viens d'avoir le fameux succès crit de la pas de haut, mais encore une fois, pas au moment où c'était vraiment utile. Mais là, j'ai un jet qui est globalement très bien, sauf la sagesse, bien sûr, que je serai obligé de faire en brisage PA, hein, si je veux avoir du truc très très clean. Et encore, c'est pas dit que ça passe. Je vais donc tenter une rune de res là-dessus, en espérant que bah, ça défonce pas un truc trop vital. Ou alors, je laisse comme ça. Non, je vais tenter. Ah! Ok, ça prend dans le retrait PA, c'est nickel, c'est tout ce qu'on veut. Yes! Ah! Ça fait plaisir.
Bon, l'item est très dur à FM, hein, mais pour la difficulté du truc, là on a un jet qui est vraiment franchement pas mal. Hein. Pour avoir perf sur les crits, les deux crits, toutes les restes, les 20 de haut, les 18, la vita et la chance qui sont vraiment à des bonnes valeurs. Bon voilà, la chance est un tout petit peu basse à mon goût, mais c'est franchement compliqué d'avoir mieux. Là donc sans utiliser le puits invoque, même sans puits PA, je tombe là-dessus, donc c'est franchement pas mal. Voilà, et eh bien je pense qu'on va terminer la vidéo sur une petite tenta PO sur une cape matelassée, et puis on arrêtera ici. Alors nous voilà sur la fameuse cape matelassée. On est parti pour aller chercher un jet clean. On va donc partir sur un overagi ici, moins 3. On va venir récupérer sur de la récri. Ensuite, overchance de la même manière, ça crit, qu'on vient également enlever avec une récri. Il passe en plus, bon ça pour l'instant on s'en fout. On va y aller à la pavie ensuite. Là, ça prend pas dans le puits, c'est nickel. Crit, moins 6. Nous fait un 90. On va laisser la vie comme ça, hein, ce sera acceptable. Si ça crit, ça passe, moins 5. Bon, c'est un item qui est plutôt facile à FM. Mais le PA est assez chiant à faire tomber, mais après, franchement, il n'y a aucune difficulté. C'est juste, il faut repasser le truc, quoi, mais on n'est pas sur de l'item très compliqué, quoi. Moins 10. Ok, 68. On va y aller comme ça, en espérant faire tomber les récris. Il faut que j'arrive à combien? Il faut que j'arrive à moins 1 assez vite. Ouais, alors on va y aller ici. Ok, on a direct un crit. Faudrait que j'aille à moins 7. Hein. Donc là j'ai moins 2. On va y aller ensuite avec de la pas. Ok, donc moins 3. Moins 6. Ok, il me reste 60. Ensuite moins. Là ça pèse 2 à partir du moment où on arrive ici. Donc 58, et là maintenant on est à des runes qui pèsent. Si je fais diviser par 6, ok, il faut que j'en passe 2 comme ça. Une et 2. Donc je suis à 58 moins 4, 54, ce qui nous laisse 9 tentas à la par écrit. J'ai envie d'y aller à la par écrit aujourd'hui, voilà. Me demandez pas pourquoi. On a du crit. On n'a pas beaucoup de crit. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Encore un petit puits PA ici. On va commencer par mettre la chance à 45. Bon, je me permets d'aller chercher le perf à chaque fois parce que là, on est sur des valeurs qui sont tellement simples à manipuler. Ce serait dommage de s'en priver, je trouve. Hop, on a du crit en plus, c'est nickel. Voilà. L'agilité qui va venir à 45 sans problème. Moins 6. Ensuite, les deux R. Moins 10. 15, 20. Hop. La fuite, ça passe. Crit, crit. Et succès neutre. Ok, 56 de puits restant. On va y aller comme ça. 3, 4, 5, 6, 7. Moins 21. Hop, 35 restants. Ensuite, moins 4. Ça me laisse 31 de puits, soit 5 tentats là-dessus. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Petit PA. Toujours pas. Puis PA suivant, on a ici 96 de puits. C'est parti. Alors, 15, 12, moins 12. On vient enlever avec les récris, bien évidemment. Hop. Alors ensuite, l'agilité. Ouais, ça m'a pas pris depuis, hein, je vérifie. Moins 3, moins 6. À nouveau, les récris pour enlever l'over. Voilà, c'est nickel. La vitalité qui tombe sur un perf. Moins 3, c'est parfait. Le reste de l'item est plutôt clean. Moins 10. Le docri restant. 5 et la petite reste-feu, moins 6. 54 de puits.
Moins 2. Moins 9. Et 43. Bon, on aura un de puits inutilisé a priori. Moins 2, ça nous fait 40. Ça m'arrange pas des masses tout ça. Bon, on va tenter 1 et 2. Moins 4, 37. Ce qui nous laisse 6 tentats là-dessus. Si je me suis pas planté. Et la dernière passe. Ok, ça nous fait un 5 récris sur un jet vraiment sympa. Et on a le PA là-dessus. Est-ce que je tente le PO ou pas? Je vous dis ça dans une seconde. Voilà, donc on va effectivement tenter le PO, mais pas sur la cape qu'on vient de passer, sur une autre que j'avais faite dans une ancienne vidéo. Pourquoi? Parce que là on avait un 5 écrit avant, et je vais en tenter une un tout petit peu moins. Bon, j'ai 4 écrits pour voir si on a le PO là-dessus. Sachant que si on arrive à passer un PO sur ce genre de jet, bon, qu'on ait 4 ou 5 écrits, on est super content de toute façon. Et puis ça viendra mettre un terme à la vidéo. Ça ne passe pas, bon, je m'y attendais un petit peu, hein, on va pas se mentir. Bon alors voilà, donc c'est une petite vidéo de FM un petit peu variée. Je pense que vous avez compris, si vous regardez un petit peu mes vidéos de Coliseum, que vous avez fait le lien. Ce qu'on a FM aujourd'hui, c'était en gros des stuff qui pourraient servir pour un panda ou un steamer haut. Donc je vais voir exactement ce que j'en fais, il y aura peut-être des items dont je me servirai pas. Je vais bidouiller un petit peu tout ça, je vais faire quelques essais. Mais c'était voilà, pour me faire quelques items que je n'avais pas et que je voulais avoir sous la main des fois. Puis j'en ai besoin pour tester des stuff. C'est donc la fin de cette vidéo de FM, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt.